Info 243 au cœur de l'actualité. Depuis le week-end dernier, Baza Bongo au cœur na actualité. Après Bongo rencontre au Salamaki na Lubumbashi entre l'ancien président de la République Joseph Kabila et l'ancien gouverneur Katanga Moïse Katumbi. Et les lots au Kumeka Kosoro Solo la Bongo, question d'actualité, na mwana mboka honorable Francis Kalombo au Azali, porte-parole adjoint à mwana mboka Moïse Katumbi Azali pe coordonnateur ya ville province ya Kinshasa pour le compte y ensemble pour la République. Très occupé na mosala na e ya avocat au tout le temps na sima baro, mais au moins accordé biso c'est temps poto solo la question d'actualité. Merci pour votre disponibilité comme d'habitude. Beaucoup. Alors, honorable Francis Kalombo, question à Liboso d'abord, Ezali Yako, Yako, Mekako Limbo, Lila Bakongomani, Bomoni, Tomoni Bisonyoso, Moïse Katumbi, Na Joseph Kabila, c'est serré Maboko, Bazongani comme Bazalaki Liboso. Aujourd'hui, c'est une alliance conclue pour la Makambo Matali politique, To Ezali réconciliation, Moko ya Batoba Solo la Kaka ensemble. Ben, si vous vous souviendrez, Moïse Katumbi tant au tag exil à Sialobakiango qui a l'imbici au tout basala qui est mabé, il a pardonné. Et il reste un homme qui est d'abord croyant, pratiquant, catholique, et soka lobi li kabasala. Et Moïse interview Moka Sala qui parle, qui même président pour pardonner Batebede, baï politique, na makabutu, oye le kaya mabe pour tout repartir de l'avant pour tout ngambo, puisque le peuple a souffrir. Donc oye le ki, c'est tout à fait logique. J'ai vu que les Katangais ont décidé de se mettre ensemble, pour Nanga, c'est un modèle d'ailleurs. Ba ressortir ma province, nous sommes profiter. Dans mon avis, dernièrement, coup de chapeau à Denis Kambay qui a réuni aussi les ressortissants du Grand Kassai. Et ils ont parlé. Quand les gens se réunissent, ils ont vraiment bien, ils ont poto longola moi, ba conflit communautaire, ba conflit qui existait entre ba individu et ça là que ba communauté ba kota na kati. Je me rends mon habitum bato na mon est, ba emana ba lendu, tout ça mikolo na Kassai, na Kassai oriental, ba conflit entre ma communauté, mais si les gens se parlent et ils se pardonnent et ils arrivent à regarder de l'avant pour l'intérêt général, nakanisi humainement parlant, et ça est le modèle, moko photos, moko copier, moko pour toute ma institution, et c'est la uniquement pour être à la développement en boka. Alors Moïse Katumbi hier victime na Makamo, ancien président Salaki, jusqu'à aujourd'hui toi batté le mal nini et Salema qui bangoum balé bakabouana jusqu'à aujourd'hui et banaté, et le pardon existe à quand ou reconnaître les péchés au Salaki tomabé au Salaki. Si aujourd'hui sincèrement nami soba congolais ko balé péchés aki nini ou ikabola deux ans de personnalité na kamene yozo ba éviter parce que ba tout balandé événement Moïse alobaka pas de troisième faux penalty parce que constitué les gars qui bouge jamais et à un moment donné il est devenu victime. Ça c'est les faits visibles. Il n'y a pas d'effet invisible. Pourquoi vous voulez voir l'effet invisible? On parle de Makambu, il y a gestion peut-être, il y a coopération et Iranium, ou Akiza Moïse Katumbi, Azwambongo, il y a ancien président de la République. Bon, c'était une affaire pécuniaire. Non, d'abord, c'était ça. Non, mais d'abord, il y a corrigé. Iranium était comme un étin boubate. Iranium était comme un étin diamanté. Iranium était comme un même pas étin cuivre. Ou le barango, il y a un Bouzoba, ils ont bateau ba yébité. Au côté de l'Iranium, mais pas un an, il était Ngouba. Au mona wapi. Et puis, où y a Kaboulagaba minéré? C'est le pouvoir central. Le gouverneur, au tout le même, il est là. Les gouverneurs n'ont pas la compétence, il ça. Ils gèrent au quotidien, il y a des gens qui ont attribué ba mine, tout ba nini, et puis, ba tombe ba l'Iranium. Il y a un côté de l'Iranium, il y a un radio. Autant que le conteneur ou le uranium, il faut que le bateau soit là. Il n'y a jamais eu un conflit. Il y a 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 un conflit. Il n'y a pas de troisième faux pénalty. Il va toucher la constitution. Et la Kabylie voulait le faire. Ils l'ont fait. Et pour pouvoir le faire, ils ont mis les gens mal à l'aise. Morcela, même le grand
Katanga qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement, ma province Moussou Babima ma victime. Donc, beaucoup de choses se sont passées. Et tant que Moïse a une raison à l'amboka Baboya, global même il est Kazal sous Congolais, Biloke Bele Bele et Salama. Donc à partant de là, vous avez compris ce qui s'est fait. Donc on a fait du mal à quelqu'un qui lui au retour a pardonné. Donc, point barre, en d'autres termes, Moïse Asalana n'y m'a bien beaucoup. A pardonné, mais il éprouve maintenant un peu de la sympathie et l'empathie na l'ancien président Oyobo Indexa qui lobby comme axe du mal, quelqu'un qui a fait du mal na mboka na biso mutu a zu économie na biso a zu ni union soit un otage. Est-ce que ezali similaire na syndrome ya Stockholm T où l'otage a commis na compassion, a commis na admiration pour na mutu a kangi après kosa la mabe aujourd'hui. Il y a une différence entre syndrome na le pardon. Je suis conscient que mutu a salenga mabe na limbicié. Donc ton intérêt c'est différent. Mais qu'à cela ne tienne, il faut voir que le monde ou le pays ne peut qu'avancer quand les gens peuvent à un moment donné se dominer. Moi je te donne un exemple. Kyungu Akumwanza, le feu Kyungu Akumwanza et le feu président Etienne Tshisekedi. Parce que là, vous voyez Canada. Boye bien ou bien, tout le monde a Kassai, na Bakatangé, boye bien, tous les gars qui à l'époque. Mais Moïse Katumbi les a fait réconcilier. Il a tout fait pour Kyungu Bayo Kana. Donc c'est Moïse Makambia ko limbisa, peko ta l'intérêt à Congo Liboso, et ça n'a qu'à ta adedae, binomobo monaki, Kyungu a accepté de travailler avec le président Etienne Tshisekedi et a accepté aussi de travailler avec son fils. C'est-à-dire que Moïse a fait cette médiation, il a lutté à l'obibo limbisa na total à Congo, Congo est avancé. Donc cette histoire-là est utika wana, mais qu'à cela ne tienne. Binomobo boyebi combien il dépèse Banyoko Manamboko sous régime ya Kabila. Parce que bon, au tala Moïse Katumbi, j'ai l'impression que Batebele Baroloba a la mémoire, il y a Moukousse, mais Ngana Oyeb Sabino, j'enseigne l'histoire politique du Congo à l'université. Mais l'histoire je politique du Congo, ma belle nuance sur vous, est-ce que vous avez oublié? Au côté de la Sidisate, la lobby bien que j'enseigne, c'est-à-dire que Ngaï, histoire de Mboko, na Kangagayango, il y a un autre qui a dit, il lui dépèse, qui était victime. Il y a un régime, il y a Kabila. Il y a une période où il y a tout le permanence, il y a IDPS. Il y a un autre qui dit, même ceux qui ont tout le IDPS, il y a un autre qui dit. Mais l'IDPS a signé avec Kabila. Ils ont travaillé avec lui. Il y a un autre qui voire même, il y a un autre qui dit, il y a Kabila, il y a un autre qui FCC, il y a un autre qui dit, Azandoki. Vous avez demandé jusqu'à ce que le président de la République Kabwanana Kabila pour que bosse à l'alliance. Biso to soloba. Yango na oyebi sa yo. To koloba na cadre ya. Biso to sali alliance na Kabila pour to gérer de l'oboni. Ah oui, zabatu ba limbi sani. La gestion ça c'est autre chose. C'est la question maintenant on a tout naki. Est-ce que bosse na cadre ya? Est-ce que bosse à l'alliance? Aussi ça raisonnement nga. Quand l'UDPS, je vois l'agitation, je me pose la question. Alors, quand l'UDPS, ils ont comploté contre qui? Contre le peuple congolais? Quand l'UDPS signe l'accord avec le FCC, avec Kabila, et ils l'ont proclamé haut et fort à Amoutoumalamo. C'était pour, travaillé avec pour lui. La gestion de l'IAPI? Mais ils ont travaillé avec lui. La cohabitation? Mais attends, maintenant, c'est quoi Bissobo reprocher Moïse Katumbi? Si vous pensez que, ceux qui étaient adversaires hier, ou ceux qui ont pu appeler des gens lobby, et que les gens qui ont travaillé ensemble, l'IDPS a blanchi la Kabila. Ils ont tenu des discours pour la Kabila. Ils les ont dit, mais pourquoi tu as la mémoire c'est comme si ça n'a pas existé. Donc aujourd'hui, c'est seulement si l'IDPS fait quelque chose, nous disons nous tous Amen. Si c'est quelqu'un d'autre, comme il dit à Boulou. Alors, est-ce que. Donc, Naligi, place où on a tout clore de Bawana, tout le monde dans le monde entier, partout même à Wana Congo, les gens peuvent aussi se mettre d'accord, ou Bayo Kana, ou Balongola qui est ennemi. Tout le monde qui a la Kabylie, malgré ma bénion, c'est Salamaki, c'est qui même pas compte pas Kabila. Ils ont pardonné et ils ont géré le pays ensemble. Tant que Monique et Jésus, qui ne m'a pas Bakabwani. Donc, et est-ce que ici vous êtes en alliance avec Joseph Kabila? On est en alliance avec personne. Nous sommes en alliance avec l'UDPS au sein de l'Union Sacrée. C'est ça, l'alliance au Toanango de l'autre, au Kati à l'Union Sacrée. Nous sommes les alliés avec l'UDPS et les autres partis politiques. Est-ce que vous avez. Maintenant, je termine. Maintenant, nous ne sommes pas en alliance politique avec le FCC ni avec le PPRD. Moïse Katumbi a encore moins avec Kabila. Moïse Katumbi, en tant qu'individu,
a pardonné, Kabila est venu et ils se sont, ils ont lavé les mains pour Balogola, bah hache de guerre, bah Alaki Dango. Et si lui, tout le monde qui a un Nelson Mandela, n'a déclaré que bah Boma bah noir nassi dans l'Afrique du Sud, bah Yokanaki, mais cela n'a pas empêché que, bah qu'il y a l'élection, il y a Kabwana, Mandela a gagné l'élection, déclaré qu'il y a opposition, ça n'a rien à voir avec la gestion, il y a Tongo Midi, pourquoi il y a Mboka. Entre Batsoui, bah Yokani, bah Lobik, tout ça sous inimité, tout ça sous adversaire, 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 ils ont composé avec eux, ils ont travaillé avec eux. Quoi de mal? Donc vous allez suivre le pas également? Nous, on ne suit pas le pas. Nous, nous travaillons pour l'intérêt général du peuple congolais. Apparemment, ils ont un alibi, une excuse. Est-ce qu'un Bissot a signé accord na FCC? Non, quand vous présentez l'IDPS comme Moto Moko Azaraki Penakati, ce n'est pas une façon de préparer au ballon d'essai. Bango bazo attaquer Moïse. Bazo attaquer ce qui s'est passé au Katanga. Et on a ici bango ba la mémoire moukou, c'est batika la bango, ils ont mauvaise communication. Parce que peuple royoka bango, puisque les Kasaïens se réunissent. Pas plus tard, na outé boye bisao ke ba sangana ki Denis Kambayi, tout le monde ba fête ko le kalaba réseaux sociaux. Nous disons bravo quand une communauté se décide ba yo kanaba travailler ensemble. On vous accuse il y a fédéralisme, mais vous avez suivi discours il y a député Oyo Moko Munongo o azali ya ensemble pour la République, ba député mususu Katangé o bazali ki déjà ko lobela makambo mo moke ya ko luka indépendance ya Katanga. Cette idée ya ko luka ko balkaniser en fait, ça, est-ce que c'est pas une donner une forme na fond moko zaki déjà na ba discours? D'abord, na ina, tu parles à un scientifique qui enseigne même le droit constitutionnel. Parler du fédéralisme ne signifie pas la balkanisation. Non, je parle de deux faits. Le gens du bas Congo. Vous avez parlé de fédéralisme, non, mais c'est pas mal. Mais à mon avis, les gens du bas Congo ont toujours réclamé le fédéralisme. Ils sont fédéralistes. Donc, dans ce pays, il y a des tendances. Dieu merci, quand tu prends la constitution de Luxembourg de 1964, le fédéralisme était inscrit même dans l'une des constitutions de la République démocratique du Congo. On allait devenir l'État fédéral. Donc il y a le côté que bolingi salango batuo boyana batu boyana boy. Non, ça c'est un mode de gestion. Et attends, et un mode de gestion, si les Congolais ne sont pas d'accord, ils seront jamais d'accord. Et puis aussi Simbaté, Ndegepe Simbaté, nous avons aujourd'hui une constitution qui prône le régionalisme politique, c'est-à-dire avec une forte décentralisation, mais nous ne sommes pas dans le fédéralisme. Donc discours, il y a député Moroya Katanga, azali qui peut présente na salle. Est-ce mais que... ça n'engage, attendez, ça n'engage que lui, ça n'engage pas tous les Katangais. Une tension déjà. Quand vous suivez les gens du Bakou, vous enseignez l'histoire. Il y a beaucoup d'habits sur Boébi, où il est qui n'a pas Bakungu, avec tout ce qui s'est passé en Makambonio, sur la Katanga, avec ces gestes ici, ça vous dit quelque chose? Mais vous litez, vous parlez de Baba, vous parlez des individus. Moi, je vous dis que pour que cette histoire arrive, il faut que la majorité des Congolais l'accepte. Ils l'accepteront pas. Chaque individu peut se mettre debout avec ses pensées, mais est-ce que ces pensées touchent la majorité des Congolais? Nous dirons non. On ne va pas l'accepter. Et c'est un individu qui peut se réveiller et dire, et ça n'engage que lui, et ça n'a rien à voir avec l'intérêt général que nous combattons pour l'intérêt général. D'accord. Alors parlons d'autre chose à présent. To Lobela, Alliance au Bozanango entre Ensemble pour la République, UDPS et l'ensemble. Vous dites que Bozanga Alliance Moko, donc Zalina UDPS, oui, Sali Union Sacrée. Mais dans l'Union Sacrée, vous avez suivi discours, il y a Augustin Kabuya, Ouazali, secrétaire général, il y a UDPS, il y a Peter Kazadi, Ouazali, qui conseiller, je ne sais pas ce qu'il y a à Longwa, conseiller juridique, il y a UDPS, Obazo Kwakizebino. Ko manigancé, ko zalaba protagoniste dans l'ombre, ko tindaba journaliste, misusu ponako attaquer le pouvoir et des gens critiquer le pouvoir au Bozali Nango. Est-ce que bon, ko ça la rôle sapeur-pompier t'es ou pyromane plutôt t'es? Non, c'est d'ailleurs n'importe quoi. Moi, je trouve que ce sont des très mauvaises communications. Il ne faut pas communiquer comme ça, surtout pour ma responsable à Minene. Je leur dois beaucoup de respect. Je pense qu'on s'entend très bien. Mais là, ils tapent à côté. Vous savez, si moi, je commence à répertorier, ben, insulte Moïse Katumbi Azouara, Tongo Mini, pourquoi? De la part Yabataï Depes, mais trop fandaté. Moi, je pense que ce soit Moïse Katumbi, que ce soit le président Félix Tshisekedi, ils sont habitués, ils sont vaccinés, ils savent que la politique, ils ont
que Nenoman ou alors n'accepte pas de faire de la politique, ce qu'on l'a critiqué au thé. Mais il y a aussi autre chose, c'est lorsque les responsables communiquent mal et ils choisissent pas vraiment le mot Oyobatobari Koloba. Donc maintenant, accuser Moïse Katumbi de chercher à faire quoi que ce soit, ça c'est mal placé. Et payer les journalistes pour n'a pas besoin, il n'a pas besoin de payer les journalistes pour ça. Il a payé quel journaliste et pour quelle finalité? Moïse n'a pas besoin de tout ça. Le reste, les gens peuvent dire comme ce qu'ils veulent dire, d'actualité depuis vous n'avez Bolobinante, comme les autres porte-parole Yamola Mboka Moïse Katumbi, est-ce que vous pouvez nous dire sincèrement Batoulingao pour le mois franc parler hein au bas de ce rôle on a bossé bonnion sur quand même un esprit tout un esprit à bana il y a Kinshasa ne va régler les affaires on dit que Moïse Katumbi pour la naba ba autorité mususu ya UDPS ba ko ba Moïse Katumbi ye mutu atindi le journaliste Pierrot Ponako l'obanion soana ya attaqué même le chef de l'État mais ça c'est n'importe quoi Pierrot a la qui journaliste na mboko awa al sala ka ba déclaration na awa bolanda ka etongo midi pourquoi. Donc Pierrot n'est pas un journaliste attaché à Moïse Katumbi, ça n'a rien à voir. Donc Pierrot le fait. Et Talibi Sokouta Taïlo Komogote. Il est pour Katumbi. Je termine. Pierrot Louawa est parti au Katanga, na délégation de Yenayoki Bahomoro Balobi, un des communicateurs, même il y a Dalandaki Dinosaure, il y a président, il s'est autoproclamé. Je ne dis pas que le président l'a mis là-bas, avec son courage, que je salue d'ailleurs. Donc, je crois que il l'a dit, le gars est parti, la délégation est premier ministre. Donc il est parti officiellement à Lubumbashi et logé même à Lubumbashi par l'argent d'un trésor public. Ça n'a rien à voir avec Moïse Katumbi. Alors Moutoua là va utiliser Nabango. Un proche Katumbi. Mais approche à Katumbi, il va utiliser Nabango. Et puis bah, il va y lobby lobby. Le premier ministre proche Katumbi. Dans l'oubli, peu importe. Mais le premier, il est parti de la délégation Owana. Bake Kuna Basali Makamuna Bango. Et il y a tant à Yoki Keba ou Luka Baka. Mais les gens, la évité, les gens doivent aussi réfléchir. Pierrot va lancer mandat d'arrêt Bakangaye Awa. Yana Lubumbashi. C'est quoi ça? Il y a Tchamutu Bakata. Mettez la place là, attaque ma ligne batanga mutango. Il y a Fanny la Katanga, yon kiki bao lukisaya, basalipe mandat bolande on a ba réseaux sociaux. Amonia rocha mutuba katate akimi. Bosko, qu'est-ce que Katumbi a à voir là-dedans? Qu'est-ce qu'il a à voir? Il s'est passé. Ils ont passé leur temps à tout voir Moïse Tina Baouese. Ti mutasoye na moi si nae Katumbi. On voyait Moïse partout. Conséquence, le Congo n'était plus géré et on gérait que Bato Baropé Sabambongo pour attaquer Katumbi, Boluka Katumbi, Bosalaboué. Et nous risquons aussi d'aller. Moi, j'en appelle aux responsables aujourd'hui. Tant qu'il y a une distraction à Pamba Pamba, tant gérer Congolais à Nanzala, Congolais à Napasi. Moïse Katumbi, c'est un individu, c'est un Congolais comme les autres Congolais. On ne peut pas perdre notre temps. Bobanda Koulubako, Katumbi à Kosoliawa, Bolandi, Oya Salibo, Bosalime. Aujourd'hui, Katumbi Bayo Kadina, président Kabila. Quel est le problème? Ancien président. Non, le nom reste, les titres restent, on ancien sait qu'il président. Est là. Bon, ancien président Kabila, nous on l'appelle comme ça, on a toujours appelé l'ancien président Kabila. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Et ça problème était pourquoi chaque fois qu'il le remonte l'équipe, Moutouboua Saliba, tout va comme agité. Non, et ça, pour n'en un non-événement. L'IDPS devait se tranquilliser puisque l'IDPS a géré avec la Kabylie. Rencontre Katumbi Moïse non événement. Pour Nangaï, et ça non événement parce que Bissopé va casser ton Koutana. Dernier combat, il y a Benga Yibiso, ton Koutana qui t'occupe de Koutana. D'ailleurs, raison de plus, ton Koutana, ton Sagisa, ma communauté, tout. Soit ton Longoli, ma conflit entre ma individu, ma communauté, Mboke Koutambola. Donc Ngaï côté wana, je ne suis pas là dedans. Maintenant, aller dans les histoires, il y a que Babani Komona Katumbi partout. Babona Kaye partout, dans Baskarbek, Bamende Baloba Awa. Conséquence, le pays n'était plus géré par Tofan Nanzala. Lélo peuple à Nanzala. Peuple à Napasi. Tofan Datoana Katia Union Sacrée. Total Nderi, Toko assoupli, souffrance à peuple. Pambate, na 2023, Baroba Babiso, Mabanga, Baroba Babiso, Banda, ça ne sert à rien. Ces discours qui dérangent quand vous responsabilisez Batoï DPS, Baroko, les Larmos, Tolan. En OP également, Peter Kazadi, on aura Peter Kazadi à l'objet. En gros, tant qu'on a responsabilisé UDPS ou le président de la République, dans le mandat, dans le bilan, que Bamba Bissou Mabanga, Barossa, la Nini Boye, mais
Est-ce que vous savez que les bilans sont partagés également? Mais tant que nous avons un bisou, mais comment ça n'est pas le tant que nous avons la campagne, 145 jours, il y a un programme. 145 territoires. Il y a 145 territoires, pardon, il y a un programme. Présent. Tongo bindi pourquoi y'a nani? Si vous avez 6 000 baro banani, si vous avez 6 000 baro banani. Mais vous avez un régime. Tout ça un régime. Est-ce qu'il y a quoi? Pourquoi répondre l'engai? Mais n'abonnez pas. Qui est le responsable numéro 1? Qui nomme les gens? Qui attribue les gens? C'est le président de la République. S'il trouve que Moutoua au salabi est à Bakolié. C'est comme ça que les responsabilités sont na responsables. Parce que c'est lui qui décide à Tcheyo, son salaire, ma barre, l'ongolio, pour Tchamouto, mais ma bisoto, qui nous allait ici là. Mais ceux qui sont au salaire, qui préside le conseil des ministres? C'est l'instance de prise de décision d'un gouvernement. Qui les préside? Donc, à un moment donné, Moïse Katumbi tant à l'obac, il y a karaté qui pour biso tous en akati. Même tant que Balaki n'alliance dans FCC, Moïse a fait l'interview na Boivier, je crois, à l'obac, bien que le président Félix doit faire très attention parce que le bilan batoubaouta la yé. Bilan batala ka mokondi, bilan batala ka ya président de la République, les gens ne verront pas. Nous sommes dans un système où ils allient que c'est le président qui nomme et qui décide aussi. Donc, la minute Oyo, programme est le président de la République, mais donc tout le président de la République, mais le président ne peut pas faire ça seul. C'est comme ça qu'il fait appel aux Congolais de gauche et de droite, de manière à ce qu'il a réussi le programme. Maintenant, ce qui est simbité à mon maintenant, à titre individuel, toute personne qui gère, nos ministres qui sont au gouvernement, soit au salamabé, le président a l'obligation de les sanctionner. À sanctionner, mais ceux qui sont au salamou, c'est un apport, bravo. Au salamou, ils ont un intérêt en bon et avancé. Quel est le problème? Réussite, vous allez toujours, il y a président de la République. Alors, en allant là-bas, ils sont allés contribuer pour le président de la République à réussir. Mais ce qui est réussir, il y a un problème. Une question, Isaiah Batumi. Mais j'ai l'impression que en fouillant ça, c'est comme si à l'IDPS, ils n'ont pas d'argument pour que ça va bien faire au Félix, ça s'est là. Mais est-ce que vous en avez également? Je te dis que, attendez, j'ai l'impression, parce que admettre que tu partages le bilan sur les Zamabé, c'est que, déjà que les Zamabé. Attends, la communication, elle est importante. Si on communique mal, c'est votre problème. Nous, en sciences politiques, nous disons que la communication est la légitimation de l'action du gouvernant vers la population. Si elle est mauvaise, ben que même au sein de l'Okamala, on n'a aucun Zamabé. Il communique mal. Alors, admettre déjà que Bileza Mabe, tu as partagé avec un bango. Non. Bileza Malam, tu as partagé avec un bango. Et le Malam, tu as partagé avec un bango. Et le Malam, tu as fait par un pauvre. Non. Moi, je pense que c'est la communication qui est mauvaise. S'il y a des choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire. Ils ne le disent pas, ils rentrent dans les futilités et ils acceptent déjà des fêtes dans le bango. C'est qu'il y a une mauvaise chose. Il n'y a pas d'acceptation, il y a un travail à faire. Le président Félix a encore le temps, l'UDPS a encore le temps de tout faire, mais malheureusement, le temps joue contre nous. Bien que vous êtes politicien, mais vous êtes reconnu comme Mwana Bandal. Mwana Bandal, leader à Bandal, quoi. Comme Moutounio Sozarana Place Naya Aouta, notable à Bandal. Donc, Bandal est le esprit moro libre, la vérité. C'est une question en retour, la sincérité, nous sommes en vérité. Le BM sauve 5 bienfaits à président de la République. Au lieu à 5, n'a pas que cela t'a dit ça. Ok, vas-y. Bienfait à Liboso. Hein? Oui, mais. Les gens ne savent pas d'où Félix est venu. Ce qu'il a fait, pas quoi, comme président de la République. La finalité, c'est autre chose. Mais au départ, ce n'est pas facile d'être président de la République. Le fait d'abord de tout faire pour devenir président de la République et de l'accepter, c'est déjà quelque chose de formidable. Nous disons bravo, coup de chapeau. Non, mais ça là, moi je parle. Mais j'en arrive. Au Tuninga, il y a bien. Tuninga, il y a bien. Il y a bien 10. Au Tuninga, il y a 5. Ah, il y a le goût de 10. Il y a bien 10. Ok, ça. Déjà ça. Deuxième élément, le fait déjà de tout faire pour prendre le pouvoir. C'est de diminuer l'influence à la Kabylie. C'était pas facile. Personne ne lui donnait un crédit qu'il allait le faire. Et là, et qu'au Sala même fois deux. Trop comme ça, même 4 points. Hein? Oh, voilà.
Deuxième. Troisième, c'est de se constituer une majorité. Chose qui n'était pas facile puisqu'il n'en avait pas. Il s'est constitué autour de lui une majorité. On ne l'a pas fait politique. Tout le monde a fait politique. Fait politique. Dans la gestion, dans l'acte, dans le cambo, dans la misala, dans le bienfait, dans la réalisation et le président de la République. Finalement, il y a le fait politique. Moi, je ne parle pas de fait politique. Il y a parce que dans la bande, dans la zone, il y a le zone. Ok, il y a le musique. Oui, mais le zone, il y a le musique. Il y a le zone. Il y a le zone. Il y a le zone. Il continue. Parce que apparemment vous sentez mal à l'aise au lobby. Je suis tellement à l'aise que n'ako lobaba bien fachi n'aoké na ou l'eloti n'ako kené n'ango. Neti question sur la tunio bien fait à Jekoko mi balé. Ou lobaba on balamo directement on réfléchit. Est-ce que là la réfléchir à fachi? Bon ou comment? Na lukite yom to ngo ambuye ngala ba response ngala za yo kenela. Okay, c'est bon. Eh? Zena, tuzena ya. Yom to ko loba na ngai na ba response ngala o kenela. OK. Toki alors, okay. Deuxième. Tu sais toi combien la troisième action. Yo kenela deuxième, ozo ki sakala deuxième dedi. Eh? Tu sais toi combien la troisième action. Toki, omoni ya la biloko mususu oyo batu musu bazo monate. Eh? Mais oyo soko tie volonté ou il peut vous laisser battre ba babilo koana les lois yoda omona ils ont coup de chapeau peu parce qu'ils ont sous mandat à président de la république et pas gentil ni bobila soko que omona balabala sosa balabala makanza balabala nini banzela ils ont sala ma place au nzela za rater ngiringiri banzela musutu na belge atika rater et salama mauvaise communication parce que les gens n'expliquent pas ce qui s'est fait parce que tu n'as pas tangé le bilo ka bien. Nous avons eu un peu de temps. 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 Nous avons eu Ram, peu de temps. Go passo balongo la kate biloka ba. Donc la ko tangela o ya mabe na ko tangelo pe ya malamu. Okay. Ozo donc to kota si ko na actif ya président de la République o bo ba tumisu su lelo bo ko tata banato bo ko sepelate na gestion makamusu su ya fachi lelo. Qu'est-ce que fachi a sali ya mabe? Oyo akuta e pa régime 18 ans te o ya yé nango. Na 18 ans o ko déranger. Oui, mais quand on arrive au pouvoir, on vient pour corriger o union so baboyaki. Comment on fait pour corriger yango, c'est-à-dire que tout le monde a été photo le gâteau pour que ça soit un peu et que tout le monde a été comment ils ont pris combien, bambou et qu'il y a la caisse à tout le monde, tout le imprimé des valeurs et qu'il n'y a pas tout le monde, dans les sous-boyettes, dans les sous-boyettes. Tu vois, tout ce qu'on a décrié, hein, et on a trouvé un pays dans l'État qui, parce que quand on arrive pour te changer en gros. Si tu as changé en gros, tes peuples se retrouvent les sous-soutés, tu as dit que tu as dit que tu as dit Thompson. Ndege sala kiawa eh ti ministre comme la ministre comme ça l'état acheter ya Thompson donc à un moment donné bilo que belé ko sala ke et ke mais moi je pense que la meilleure façon de faire lorsqu'on gère on trouve un pays par terre c'est de le relever c'est de tout faire Lula l'a fait au Brésil ba président ba belo ba transformer en boka na bango je crois que le Congo mérite aussi d'être transformé pour Congo ko ok des liboso alors lelo Ozali reconnu au-delà ya osala makambo makambo osala ya yo moko ozali reconnu pendant ozala un plus proche collaborateur et ancien président de la République Joseph Kabila. Aujourd'hui, bah s'est réconcilié na Moïse Katumbi. Est-ce que vous allez aussi vous réconcilier avec Kabila? Mais écoutez, parce que vous n'êtes pas katangais. Moi je suis pas katangais, moi je suis pas. C'est pas votre péché ou soit votre avantage. La réconciliation c'est salamaki entre ba katangais. Mais quoi? Comme est-ce que je peux terminer mon vas-y. Toujours le pardon, Dieu nous demande de pardonner. Nous, on a pardonné dès que nous sommes rentrés d'exil. On a la canal à moutouté et l'eau comme côté. On a pardonné, il n'y a pas que là. J'ai d'autres amis aussi qui ont comploté contre moi. Comme n'a autant à comploter et donc, na minute où moi j'ai tout pardonné, je vis avec tout le monde, na bien na mutunion so na ina la bien na mutunion so, je rentre pas dans ces conflits. Je crois que c'est derrière nous. Il faut même pas tout l'exhaler na biso. Les Congolais n'ont pas besoin ya kuyoka babilo ko. Est-ce qu'on doit perdre notre temps de parler des individus?
Non, les relations que je peux avoir les avec le président de la République, oui, mais il faut ceux qui t'ont dit le bateau, le bambakabeta limboka. Les relations que je peux avoir avec tel ou tel autre, hein, n'a pas sa place aujourd'hui. N'a pas sa place, ça ne sert à rien. Alors, tout le bela. Question à Souka pour notre aussi cette édition la Bissot, comme la Souka édition la Bissot. Tu as Maki Bongo, moi Namboka, Honoré Francis Kalombo, Azali, constitutionnaliste, juriste, enseignant, Namakamata les droits, c'est également une occasion autour de nos questions. Namakambo est allé à la polémique, vous savez, qui casse et Mikolo Eleki, sur Makamoya, cours constitutionnel. Quelle est votre lecture? Bah écoutez, je pense que ce qui se passe, c'est un débat comme ma politicien ne sont pas liés à ma souci à positionnement. Et ce que je peux conseiller à mon dirigeant d'institution, c'est d'être calme et de faire passer les choses, et les choses passeront sans ambiguïté, sans problème. Il ne faut pas tirer sur la place publique. Hein? Parce que si on a dit on a placé Moutounanga. Parce que tout le monde peut-être n'est pas sûr qu'il va gagner aux élections. Et il pense que s'il a un juge à lui, mais je pense que j'interpelle les autorités. Bobo magistrat, toi, tu es bon mango. Soit tu es bon mien, on va faire couffi. Pour ma kamikaze, bazogi. Quand les gens se battent maintenant pour n'aller placer Mutunanga, ils vont le bannir. Au président, au fond, on l'a mis sous. Puisque pourquoi s'acharner sur Nachaka Mutunangai et redevabilité Wanaya Batunangai? Donc il faut que nous puissions nous interroger justement sur la composition de cette institution qui est la plus haute institution en Boka Labiso. Comment on va commencer à désigner les membres de cour Wana? Ce qui est en ce moment-là, on est très mal parti. Parce que c'est quand même magistrat Bato à la sommité à la justice en Boka Labiso. Il ne faut pas que la désignation de Bango et Bano crée une polémique. Et parce que le pouvoir, il y a l'élo et Zali, pouvoir Moko Outina opposition. À l'époque, Bozaki Binonion, son akat opposition. Ensemble, na U2PS et tout le reste, c'est vrai, d'ordre dispersé, mais vous avez quand même nakat opposition au Bunda. Et grand mot vous allez pas bah IDPS Moussousou ou bah ko loba ko dénoncer que bah Moussous bah il a pouvoir bah kakata on fatia comme président kakata on président de la République a comme président des bah Moussous bah sur bah poste on parle de Bifor Biselele bah ko lobela bah tout moi est belé bah ko tanga bah combo na bango aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui s'attaquer à certains leaders Moussousou, est-ce qu'ils allient système T à ko longo la bango na carte pour que certains également besoin espace à ko respirer? Merci, je crois que Kokoma Moukonze a la facilité. Et il y a dans chaque organisation, Batou Babenga ba héros dans l'ombre. On va travailler quand même Batou Babenga à la place publique. Babiso le roi tous les gars dans la télévision, mais tout ça, Batou Babenga travaillera même au sein de l'ensemble au Bomona Rabango T. Bah, héros dans l'ombre. C'est-à-dire que tant au pouvoir les Omaka, beaucoup moins la nomination, parce que j'entends beaucoup de critiques. Mon droit à Bifor, mon droit à JCK Bongo. Quand JCK a acheté son appartement sur l'avenue Montaigne, je parle de l'avenue Montaigne à Paris, qui donne sur les Champs-Élysées, bah, tout Baïbi France Baïba. Mais même si on a coupé. Le gars là a cet appartement, je ne sais pas combien d'années, bah, on a coupé. C'est-à-dire que ce ne sont pas les venants. Quand Bifor achète sa maison à ma campagne, il y a des gens qui ont été. Ce n'est pas que Baha parvenu à faire un salambon autant que je suis en pouvoir. Non. Moi, je les ai connus. Mais on entend Pierrot qui dit, Bango, Bakomi, nouveau riche, ils achètent des champagnes. Oui, mais non, ces gens sont habitués. Babali, comme Melayango avant, et Babali, oui, attends, le Bifor. Les gens pensent que Bifor a l'air la mouka bandide. Moi, j'ai connu Bifor bien avant, et Bifor a fait le dialogue inter-congolais. Même pas quand à la Sand City, tous les grands rencontres, les gars étaient là pour amener la paix au Congo. Donc, ce n'est pas un parvenu qui a eu un niveau de pouvoir, non. C'est un bosseur, c'est un gars qui bosse et qui a travaillé. Donc, Batoubaye Biété, c'est vrai qu'il a un héros dans l'ombre, tout comme fonction qu'il occupe aujourd'hui, il le fait dans l'ombre. Batoubaye Bijisekate, donc c'est des gens, Boyebi Batouté, mais on leur colle cette étiquette qui va saler le côté, Bayem Balamoko. Mais dans le parcours,
biso batongo luka bokondio yo tant tozayi ko luka yango to tabola la bango na ba train na ba avion na ba nyonso donc bazala dans l'ombre ba travaillé ils ont bossé donc, pour le pouvoir et comment ils largement d'ailleurs et d'ailleurs ils sont humbles de ne même pas chercher à être des ministres. Ils n'ont pas cherché à être des ministres, ils se sont effacés comme d'habitude. C'est des gens qui ont mérité d'être des grands ministres dans ces pays. Puisqu'ils ont, ils ont participé à pouvoir pour pouvoir comme à pouvoir. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. En termes de présence, même en termes de bango na bango pe babimisa. Même si on est tous la quatrième ensemble, nous avons beaucoup de gens qui travaillent que Batoubaïbi Bangote. Héros dans l'ombre, alors tant au pouvoir et yaka, quand mon tout le monde a bimi, qui était parce que vous voyez, rôle pas au jouet. Donc les locaux allaient critiquer les individus, parce que il y a des sacrifices dans le travail au Bazosala. Il y a vie privée, et d'ailleurs, il y a une fonction pour la banque, mais ça surcharge. Non, il ne faut pas tout individualiser les locaux, parce que chaque individu mérite quand même quelque chose. Surtout pas ceux-là. Moi, je ne parle pas parce que c'est en tant que quoi que ce soit, mais je les ai vus. Je les ai vus travailler et je sais aussi que ils ont eu le moyen avant de commander un pouvoir, tant que comme sécurité, c'est ma sécurité. Et puis, il suffisamment de moyens pour le faire. Donc, ça n'a rien à voir avec les lots. Contrairement à ce que les gens disent. Oui, c'est malhonnête, en fait. Parce qu'ils ont roulé carrosse avant. Ils ont roulé carrosse avant. Mais moi, je pense que, vu la bango, il y a qui bourgeoisie, la bango, babandi, en haut, les lots, bah là, l'ango, bandakala. Pas basé là, qui va comme un élo, il dépense comme un pouvoir. Non, ils ont vécu avant même, il dépense comme un pouvoir. Bon, gars, tout n'a pas question, surtout, si le bâton, on a franc parlé, on a le bâton, c'est la vérité. Même si, bah, on a se pelaté, on a le bâton, on a mais on dans l'obligation, puisque tout n'a pas de bâton, on a le c'est une vérité, à Congo, tout le monde a pris le il faut que la opposition bobunda na batu misusu boyi pe bilongi ya batu bobunda bilongi pe bazala rate boyebi kama mais on peut bazala te pas partie ya on peut bazala te toyebi mais trois ko yeba pe batu nyo sauté autour il y a UDPS, UDPS avait aussi des gens qui ont travaillé dans l'ombre que personne ne connaissait. Maintenant le grand problème c'est la rentabilité na musala o batu bakomi nango. Mais aller dire à quelqu'un que il a volé à sombie logo boyi na boyi ça. Par rapport à Bilogo Moussoubazo cité, moi je te dis que je connaissais Batouana na Kenana Bandaku na Bango, Owana avant même Bakomana pouvoir, avant même idée même Yaokomana pouvoir et Zalana Bango. Ils ont toujours voyagé, ils ont toujours vécu, na O Bazo vivre Nango. Donc ça n'a rien à voir. Donc il ne faut même pas entrer dans ces polémiques. Alors, tout comme dans ce qui est dit, on a biso, mais comme la culture, c'est la base sociale, d'ailleurs, il y a communauté Nyonso, nous allons mettre terme à cette édition, la question culturelle. C'est une question culturelle parce que vous êtes reconnu comme Mokoyaba protagoniste, si ce n'est pas Mokoyaba Oyo, bah, propulsa culture Nabiso, dans le secteur Mokoya musique, et surtout comme Moto Abima, plus dans le mouvement Oya Wenge. Alors, comme moko ba notable ya Wenge, aujourd'hui l'initiative ya rosangisa ba musicien o ya kala o batika ba kabwana ba misuzu ba zarasuku na ba problème te et tout ya Wenge. Comment vous avez trouvé cette initiative? Bravo, surtout coup de chapeau à Ali Jabir d'avoir pris cette initiative. Et je pense que coup de chapeau à Jibem Piana, leader à Mufude, Mukuru Aba Kolumpa, coup de chapeau na Werason, hein, Koikwa, le roi. Hein, de la forêt. Je crois qu'à un moment donné, justement, vous vous attardez sur ce qui s'est passé de l'autre côté, mais vous oubliez qu'il y a un grand événement aussi, que l'oubi, Bayokani, c'est péri ça, culturellement. Moi, je soutiens totalement. Je pense que Tosenga va te bêler les 30 jours à dans la stade, va kende, pour vivre l'événement en Asie. Année de la réconciliation, Kaka? C'est une très très bonne année où les gens doivent se réconcilier. Je pense que c'est vraiment une très très bonne action. Et je pense que nous, on a grandi avec la musique ya Wenge. Tout ça, bana bandal, tout ça, bana Wenge. Donc Wenge, ça la kati na biso. Et comme on a bango, nous disons
coup de chapeau et nous pensons que c'est elle qui va soutenir parce que la culture c'est ce qui a fait notre pays. Et moi ce que je souhaiterais est-ce qu'on a les 30 juin il faut qu'après les 30 juin que Biloko a été continué va continuer qu'on sépélise ça partout et puis ce qui possibilité ali gouvernement Tchabango vraiment maboko et permettre Bango ba bimiser la biso parce que c'est des grands. On a affaire aux grands, artistes. Vous avez Alain Makabaki, je vous dis qu'il peut vous sortir des sons impeccables. Mais sauf que il faut qu'on leur donne le moyen et la possibilité de créer des studios. Il faut que cet événement-là, le lendemain à cet événement, ait créé Bilo. Et créé par exemple que Tchaba Studio, Bassala Bilo, que Bélé Nambo Kalabiso, pour l'artiste, Bangouka Moyen, Bassané Bango s'est développé. Ouenge. C'est elle qui est beau à ma jeune et chaque jeune doit soutenir parce que ma jeune, ils ont trimé ces jeunes-là. Je les ai vus trimer. Tout faire, se battre seul pour pouvoir recommander ma commis. Baza ma bougie. Baba bougie, baza ba héritier te, ba telemi na maya misu na bango moko, ba bundi ti ba sali musique na bango ti ba forcer, ti ba komine ba komi wana. Franchement, bravo, aujourd'hui c'est des grands. C'est des grands messieurs que nous avons qui sont partis de quelque part, ils sont arrivés quelque part et aujourd'hui bazo continuer toujours. Ni tete ba biloko ya nini nini, je crois que côté wana bazana nuna na réserve ya biloko ko pesa biso, to senga na bango ka ba bise la biso biloko. Et question Ezaki, quel est le plus beau souvenir na yo na Wenge? Na Wenge en fait quand on le bat Wenge en musique. Non le plus beau souvenir dans la Wenge c'est que dans ce moment concert à Wenge na Inga hein donc il y en a plein pour Natamo côté mais c'est quand même bateau là où on leur donnait pas la chance d'aller plus loin parce que les gens voyaient Viva la Musica voyaient Zaiko Langa Langa et on leur donnait pas le crédit et aujourd'hui coup de chapeau surtout aussi coup de chapeau là c'est lui qui les a menés et qui était l'un des leaders président à Bango Toloba Jibem Piana. Tu vois, donc il a présidé, il a encadré ses groupes en tant que président du groupe. Et puis, à même qui en place à Mémi Ango, il est loyal. Je pense qu'on en parle. Et ça a créé beaucoup d'emplois. Beaucoup d'emplois. Je vois les gens discuter. Beaucoup de polémiques également. Non, peu importe. C'est le seul mouvement qui a divisé de famille. Mais peu importe. Mais attends, mais le football divise les gens. La politique divise les gens. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme organisation dans une société qui ne peut pas diviser les gens? L'unanimité n'existe pas, même les églises sont divisées aujourd'hui. Question Square Souka, Isali. Avant question Souka. Parce que là également, quel est le mauvais souvenir à Wenge pendant Isali? Non, en tout cas, Wenge n'a pas de souvenir. Attends, même dans le Kabouana, il y a beaucoup de bien. Parce que créer un emploi. Tu vas bien dire solo, Moko. Il y a un ancien moine président de la République. Au Wenge, un jour, il y a un concert. Parce que. C'est faux. Tu sais, lorsque les gens ont atteint un certain niveau, surtout niveau Bakomara Lango, hein, les gens ont toujours autour, il y a un leader, autour, il y a un mythe, quoi, il y a une histoire, Nabango. Non, il y a un concert. C'est vrai qu'il y a eu des tensions de temps en temps entre Saddam, Naba, musicien à Wenge, il y a eu beaucoup de choses. On a Saddam qui était meilleur ami, Nao. Non, c'est qui, pas qui était ami. Non, hein. Non. Donc, le problème, c'est que c'était quand même un bon mécène pour Nabiso, pour Naba Congolais. J'ai eu la chance de le connaître, la chance de le côtoyer, la chance de travailler avec lui. Et je pense que c'était aussi un monsieur. S'il était encore vivant jusqu'à aujourd'hui, il serait aussi un grand. Puisqu'il avait aussi l'esprit, il avait l'idée, bien qu'étant moi, il y a président de la République, Saddam, c'était la cité aussi. Hein. Saddam Azawaya na bloc, Saddam Azawaya kokota cité, kokota ma concert. Franchement, avec un esprit ouverture, un jour on parlera de lui. C'est pas là, sur ces plateaux, qu'on peut aujourd'hui parler de Kogoulou. Mais nous disons que paix à son âme, c'était aussi quelqu'un, Oyosuito Solalikama Wenge, tu peux toujours gobeta Kombo Naye, puisqu'il a eu aussi à participer à un moment donné, il y a la paix, un des fans, il y a Wenge Musique. Est-ce qu'on a Wenge
Il y a déjà bourgeois, tout y a quand même ni non. Non 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 non, biso bala bandal, tu y a là bas bourgeois. Oui, il y a maman, bah non, non, bah ils ont boit caillou. Non, ça n'a rien à voir. C'était quoi en fait? Oui, mais que Wenge, bah boit comme bah te belé, bah ben ça t'es que bah zalaka bah millionnaire, Gilles Bisselé, les bah boit caillou na Wenge, paye à son âme, tika biso bah Belize, bah là bah millionnaire, ça n'a rien à voir. C'est ça aussi la différence na Wenge. C'est-à-dire que Wenge faisait plaisir aussi aux amis, ceux qui les accompagnaient, c'est avec qui ils étaient, ils les ont fait connaître. Et dans le monde entier, il y a Martin Likombe. Il pensait que c'était un grand. Un monsieur, je ne sais pas comment, mais non, c'est Wenge qui a fait de ces gens-là. Comme on a mangé, chance au bakoye, on peut s'amuser na vivre la musique, tête on a zaiko langalanga tête. Mais Wenge a façonné beaucoup de jeunes. Et les jeunes, beaucoup ont profité aussi au bakina lango liboso. Non, ce n'est pas question ezalaki ezala mbongo. Non, Wenge ba fula ba te belé sambo kwa e soko tali ba te belé au jibem piana. Oyoki ba bébé Ramazani, oyoki ba te belé ba Boris Bondo, lelo utala o kansake soke zandenge nini, mais non. C'est-à-dire que c'était des jeunes gens que le musicien voulait faire plaisir, surtout entre autres Jibem Piana voulait faire plaisir et puis okay. Il les faisait. Donc c'est pas question d'argent, ça n'a rien à voir. Donc comme il a souka édition la Bisso, bato balandi Bisso, merci pour votre disponibilité. C'était une page culturelle également, il fallait tout le bilango. Mais motomoro le bakina tuna o eloko na ebisayo, comment vous définissez l'esprit à Bandal? Tango bon mona Bandal, bobioza mo Bandal, comment vous définissez l'esprit à Bandal? Bana bandal ya bano ba vivaki à cheval entre ba quartier ba riche hein na quartier ba pauvre. Faut pas au bossa na kitoza entouré na kaluka, tozala ki entouré na ba komino musu, mais biso na bandal er moto ay pe ba teti parce qu'on on avait cette chance là la bandal de côtoyer les enfants de côtoyer les grands et ba grande personnalité belé pe bazala ki po bazo moi temps à repos. Parce que dans ma campagne, dans ma Gombe, on a un plan en Gandaté, on a un plan à Dissou et il venait à Bandal. Ce qui nous a permis que Rouillé, ma vieille Bélé, ma Konze Bélé, parce qu'il venait se distraire dans Bandal. Bandal est à qui quartier Moko, ma Tongue est à qui un mouvement à Makasi, Bandal est à qui mouvement un peu civilisé. Ce qui fait que ma Konze Bélé, ma Konze Bélé, il y a Kamoun de la Bloc. Hein? Donc imagine-toi, on a créé, Bandal a sorti beaucoup de choses. Et Gotika la mythe toujours comme une Bandal. Donc Bisso Bana Bandal, tout ça peut esprit Nabiso, toi la ndenge Nabiso, en gros, elle m'a rappelé ma tétu. Toi la moins loco Nabiso Morgay, Nabiso Bana Bandal, toi la ranango. Bon, Totikali Nango, tout ça dégma là. Dieu nous a fait comme ça. Et nos parents ont voulu que tout ça la wana toko la ma belle wana bon. Coup de chapeau quand même na bandal nyonso et puis na on lançait toujours l'appel oyo bana bandal wenga zali eza eloko na bino le 30 juin biso nyonso bana bandal tout que nous soutenir et même activité ezo salama avant le 30 juin na on sema participation ya bana bandal nyonso bazala na kati parce que eza eloko ya biso wenga za biso wenga za biso to kozela ka batu musu ba soutenir ngote me wenga za biso bandal les a commune moa ba yo ba jeune premier donc il faut être classe aux amoindini donc c'est commune moko oyo ezali moko ya ba commune oyo ezali na kati ya Kinshasa na République démocratique du Congo. Bolandi biso libanda, merci pour votre disponibilité, merci également pour votre attention, merci honorable Francis Kalom pour votre disponibilité to comme la super édition na biso. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.